ça? Quelque chose les rend nerveux, ma fille. Je sais pas ce que c'est, mais faut pas trop les chercher. Hé, Sal. Pas trop dur l'autre fois? Non, aucun flic ne peut me suivre. Mais cela était un peu coriace. Le meurtre de Pope est sur toutes les lèvres. La police s'active, s'emballe. Je sais pas ce qu'il leur prend. Ça doit être la période des licenciements. Reste sur tes gardes, Sal. Sinon, quoi de neuf? Votre messager vole des preuves sur une scène de crime. Maintenant, c'est la fille la plus recherchée par les flics. C'est ça que t'as volé? Ouais, ça doit venir d'un agenda. Le reste a disparu. Tout ce qui est lisible, c'est Icar, on dirait, et vers les sommets. Icar, le personnage grec? Ouais, son père lui a fait des ailes avec de la cire et des plumes. Puis le garçon s'est envolé vers le soleil. Et plus de cire et plus d'Icar. Si quelqu'un sait quelque chose, tu vois qui c'est, Face. Hélas. Je sais qu'il n'est plus messager, mais il a des contacts. Tu peux plus l'éviter. On parie? Qui? Jackknife. Drake a pu localiser Jackknife. Il est sur un toit pas loin des conduits d'évacuation des eaux usées. Mais le secteur est infesté de flics. Tu peux suivre les canaux jusqu'au quartier Hampton Town. Salut à tous, c'est Destruyant et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play en mode nostalgie sur Mirror's Edge. Donc là, ce que je vais faire, c'est pendant toute la durée de l'épisode, je vais couper mon micro pour vous laisser profiter pleinement du gameplay. Allez, à tout de suite. Enfin, à la fin du gameplay. Bon, par contre, excusez-moi, j'ai un peu perdu la main parce que j'ai prêté ma manette à mon père pendant un petit moment. Donc pendant au moins deux semaines, je n'ai pas pu jouer à Mirror Edge, alors du coup j'ai perdu un peu la main. Donc excusez-moi l'avance si par moment je me fail. J'ai également baissé la qualité des textures histoire de que soit le jeu soit beaucoup plus fluide. Bon allez, à tout de suite. Oh, vous avez pu le voir, j'ai perdu la main. Franchement, c'était... oh là là. Et je me suis fait par même occasion. Encerclé, Face. Va dans les conduits d'évacuation.
Bon, là, je sais pas si vous avez pu remarquer, mais je me rate beaucoup, donc je ne sais pas du tout par où passer, je me rappelle plus. Donc je vais essayer de voir. Ah bah oui, c'est par là, évidemment. Si on prend la bonne route. Quelque chose. Merde, on dirait qu'ils s'attendaient à ce que tu passes par là. Ils ont posté des snipers. Neutralise ces snipers ou restaure de leur portée, mais il faut passer par là. Ok, plus que ça. Sors d'ici, Faith.
Alors là, excusez-moi, mais ça commence à bien faire. Je n'arrive pas à passer ce malheureux passage alors que la première fois que j'ai joué au jeu, je l'ai passé finger in the nose. Ça m'énerve.
Black Knight doit savoir quelque chose sur le meurtre, alors le laisse pas filer, ok? Je sais, c'était un des meilleurs messagers. Je sais pas pour qui il bosse aujourd'hui. Ça me regarde pas non plus. J'ai sauté dans le vide littéralement. Oh putain! Oh, excusez-moi, il y a des moments, il y a le bullet time que j'aimerais pas activer, mais qui s'active, que j'appuie sur le bouton pour activer, parce que j'ai un bouton pour voir la direction par où je dois passer, et à chaque fois je me gourre. Là par exemple, je sais pas par où je dois passer, je me rappelle plus du tout. Je crois que c'est par là. Ouais, c'est par là, allez hop.
Qu'est-ce que tu fais là, Face? Dis-moi seulement ce qu'Icar vient faire dans la mort de Pope Jack. On dit que c'est un flic qui l'a tué. On dit n'importe quoi, alors. T'es un amateur de catch, Face. Pope aimait bien le catch. Il adorait ça. Il avait même engagé un ancien catcheur pour le protéger. Travis Burfield, plus connu sous le nom de Rob Byrne. Où est-ce que tu veux en venir? Rob Byrne? Ben, c'est juste un idiot qui a pas eu de chance. Et la plupart des gens sont trop ignorants pour rester à leur place. Tout le monde se regarde dans le grand miroir. Mais qui regarde autour de soi? À ta place, je commencerai par m'intéresser à ce gros tas de muscles. Bonne chasse à toi, chérie. Écoute, je suis pas très chaud pour rendre visite à Rob Byrne. Moi non plus. Je vais voir Miller. Oh, Face, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui parler de Jackknife? C'est ici que nous allons nous laisser, excusez-moi, je parle en même temps. C'est ici que je vais vous laisser, à la prochaine, salut. Tu vois? Ouais, il va à sa voiture. Lieutenant Miller? Je suis Face, la sœur de Kate. Elle n'a jamais parlé d'une sœur. C'est vrai. On n'est pas du genre très loquace. Elle m'a dit d'aller vous trouver en cas de problème. On l'a arrêtée. Et vous devez être la personne qu'on a vue s'enfuir de la scène du crime, n'est-ce pas? Eh bien, c'est difficile à dire avec une arme pointée sur moi. Je sais qui vous êtes. Vous savez que c'était un piège. Je sais que Kate serait incapable de faire une chose pareille. Mais mon supérieur pose des questions délicates. Et je ne peux même pas aller la voir. Qu'est-ce que vous savez sur ce qu'on appelle Icar? Pourquoi? C'est écrit là-dessus. Pope l'avait dans la main. Ça doit venir de son agenda. Vous volez des preuves? Kate est ma seule famille, lieutenant. Les flics en prison ne font jamais long feu. Si elle est condamnée, c'est la peine de mort. Je vous laisse partir. Je dois bien ça à Kate. Mais d'autres ne sont pas aussi cléments. Et je ne pourrai rien y faire. Vous devriez apprendre à courir. C'est ce que je sais faire de mieux.